Aéroport de Bordeaux-Mérignac, hall A, au niveau des arrivées, c'est ici qu'a été installé le centre de dépistage. Les voyageurs, le personnel ou le grand public viennent se faire tester pour plusieurs raisons, d'autant plus que c'est gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance, ouvert tous les jours de 9h à 17h. J'étais en contact avec une personne positive il y a 2 jours. Voilà, donc du coup, branle-bas de combat, on essaie de se faire tester pour vite éliminer les suspicions. On est au contact de pas mal de gens dans certaines activités, ce qui fait qu'en définitive, on veut s'assurer de savoir si positif ou négatif. Je le fais, comme ça je pourrais dire si quelqu'un dans la famille a un peu d'appréhension, que c'est rien. 160 personnes sont traitées chaque jour. Les résultats sont connus dans les 24 heures. Si c'est négatif, pas de souci. Dans le cas contraire... L'assurance maladie va contacter la personne et faire le contact tracing autour d'elle, c'est-à-dire vérifier tous les gens de sa famille, voire recommander un dépistage chez ces personnes-là, vérifier aussi le reste de l'entourage. Le personnel médical qui travaille sur cette zone de dépistage le fait sur la base du volontariat. C'est le premier jour parce qu'il y avait un appel du CHU parce qu'il manquait du personnel. Donc je viens en renfort et je reviendrai avec plaisir s'il y a besoin. Début août, le dépistage sera obligatoire pour les voyageurs venant d'un pays à risque. L'opération pourrait se poursuivre jusqu'au mois de septembre.